thématique. Je voulais revenir un peu sur les choses à mettre en place à l'école, les conditions d'hygiène, etc. Puisque ce matin, tout n'a pas été respecté. Donc, on va commencer par le début. Quand vous arrivez à l'école, devant la grille, vous avez pu voir au sol qu'il y a des marquages. Donc ces marquages sont distanciés d'un mètre, c'est-à-dire qu'entre chaque marquage, il y a un mètre. Vous devez vous positionner absolument sur chacun des marquages et ne pas aller voir le copain qui est devant ou celui qui est derrière. Ensuite, quand vous rentrez dans la cour pour aller vous ranger devant la porte de la classe, vous devez garder cette distance de sécurité d'un mètre. Vous ne devez donc pas aller parler aux copains, vous ne devez pas aller jouer avec les copains, vous devez garder vraiment un mètre entre chacun de vous. Ensuite, une fois devant la classe, vous allez voir, on a également mis des marquages au sol à un mètre de distance. Donc, avant d'entrer dans la classe, vous resterez bien sur les marquages et vous ne bougerez pas. Ensuite, quand vous serez autorisé à rentrer dans la classe, vous pourrez aller vous laver les mains. Enfin, vous devrez aller vous laver les mains. Vous devrez aller vous laver les mains, chacun à votre tour. Les autres devront attendre que la personne précédente ait terminé de se laver les mains pour ensuite rentrer dans la classe et aller également se laver les mains. Pour le lavage des mains, c'est un lavage qui doit être approfondi. Il faut se laver les mains au minimum pendant 30 secondes. Donc, on frotte correctement, on nettoie aussi au niveau des poignets et au niveau des creux, par exemple, entre les doigts. Ensuite, vous vous installerez à votre place. Vous attendrez que toute la classe ait terminé de se laver les mains, ce qui prendra entre 15 et 20 minutes, puisqu'en plus, vous devez vous sécher les mains correctement avec une serviette en papier que vous devez mettre à la poubelle et vos mains doivent être totalement sèches avant d'aller à votre place. Ensuite, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur votre table, vous avez 3 livres chacun. Vous n'aurez pas plus ni moins de livres. Vous ne pourrez pas aller à la bibliothèque, chercher d'autres livres ou déposer vos livres. C'est interdit. Vous ne pourrez pas non plus prêter votre livre à un camarade. C'est interdit. Ni à un voisin. Ensuite, vous ne pourrez pas vous lever. Vous ne pourrez pas aller aider un camarade. Vous ne pourrez donc pas aller à la bibliothèque, même si vous avez terminé votre travail. Vous ne pourrez pas non plus aller faire un travail en autonomie. Vous devrez rester à votre place. Vous n'avez en aucun cas le droit de prêter vos affaires à un camarade. Si vous prêtez du matériel, c'est donné. Vous ne le récupérerez pas. Et de toute façon, vous n'avez pas le droit de prêter du matériel. Vous devez tous avoir votre matériel. Dès aujourd'hui. Puisqu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne rentre à l'école et plus rien ne ressort de l'école, sauf vous. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas leur matériel aujourd'hui, tant pis pour vous, vous n'aurez pas le matériel nécessaire, hein, pensez tout. Ensuite, à l'intérieur de la classe, quand vous toussez, n'oubliez pas de tousser dans votre coude. Lorsque vous vous mouchez, il faut vous moucher dans un mouchoir en papier que vous allez mettre directement à la poubelle. Attention, quand vous toussez ou que vous vous mouchez, vous devez aller vous laver aussitôt les mains. Si quelqu'un est déjà en train de se laver les mains, vous attendez votre tour, vous attendez qu'il regagne sa place et vous allez vous laver les mains. Attention, toujours dans le sens de circulation de la classe. Si jamais vous avez besoin d'aide pour un exercice, je ne peux pas venir vous aider. Je vais devoir vous aider de loin. Vous pouvez lever la main, mais vous devrez m'expliciter, c'est-à-dire m'expliquer votre problème. Je sais que cela est difficile pour beaucoup d'entre vous. Mais vous devrez faire l'effort de réussir à m'expliquer votre problème. Je ne pourrai en aucun cas m'approcher de vous. Voilà. Pour ce qui est des récréations. Pendant les récréations,
création, vous aurez chacun un périmètre dans lequel vous pourrez vous déplacer. Vous ne pourrez pas aller voir un camarade. Vous ne pourrez pas jouer avec un camarade au ballon, par exemple, ou au jeu de coups, puisque les jeux sont interdits. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire des jeux de mime ou des devinettes, c'est ce que le gouvernement nous préconise. Voilà. Si pour les garçons, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, attention, il va falloir aller à l'urinoir de droite et à celui tout à gauche. Vous n'aurez pas le droit d'utiliser celui du milieu puisqu'il n'est pas à 1 mètre des autres urinoirs. Voilà. D'ailleurs, il va falloir aller aux toilettes pendant la classe. Puisque, excusez-moi, pendant les récréations, parce que justement, si vous voulez y aller pendant la classe, on va avoir un problème, puisque vous ne pouvez pas aller tout seul aux toilettes, vous ne pouvez pas non plus aller aux toilettes accompagné d'un camarade, puisque vous risqueriez de rompre la distance de sécurité. Je ne peux pas vous accompagner, car je laisserai mes élèves. Donc, si vous n'allez pas aux toilettes pendant la récréation, que vous avez besoin d'aller aux toilettes pendant la classe, nous devrons tous nous déplacer pour aller vous accompagner aux toilettes. Donc, veillez à aller aux toilettes pendant les temps de récréation. Vous aurez que ça à faire. Ensuite, est-ce que vous avez des questions? Non? Voilà. Donc, je ne pourrai pas venir vous aider à vos plages. Je ne pourrai pas corriger les cahiers. Je ne pourrai pas vous prêter du matériel et vous ne pourrez pas vous amuser avec vos copains. Vous ne pourrez pas aller jouer aux jeux de cours, aux jeux de ballon. Vous ne pourrez pas non plus vous déplacer pour aller faire du travail en autonomie comme pour habitude nous avons. Vous ne pourrez pas non plus aller lire un livre à la bibliothèque. Vous ne pourrez pas non plus fermer les rideaux si vous le souhaitez. Vous ne pourrez rien faire. Vous resterez à vos places, sans bouger, et avec votre matériel. Uniquement à vos places et avec votre matériel. Et on va pouvoir passer aux mathématiques. Et vous soulignez en rouge. Le temps. Ah non, je ne peux pas t'emprunter ton rouge. C'est pas exceptionnellement, vous allez souligner en vert. Voilà. Dans ton coude. Et puis va te laver les mains maintenant. Est-ce que tu peux prêter ton taille-crayon? Ben non, tu lui prêtes pas ton taille-crayon, qu'est-ce qu'on a dit? Donc tu regardes ton taille-crayon, tant pis, t'avais qu'à emmener tes affaires. Vous êtes pas possible. Hein. Donc, dans l'exercice de numération, page 38, il s'agit de comparer des fractions. Donc pour comparer des fractions, vous allez devoir... Dans ton coude. Et va te laver les mains. Vous allez devoir donc soit utiliser des schémas ou soit utiliser une autre technique. Nous allons voir ensuite. Donc vous faites l'exercice. Si vous avez besoin d'aide, vous levez la main, mais je ne pourrai pas venir vous voir. Et mais bon, vous n'hésitez pas quand même, de toute façon. Et en attendant, je vais vous regarder de loin. Perse, est-ce que je peux aller aux toilettes? Oh non, Lise, c'est pas encore la récréation, tu peux pas attendre un petit peu? C'est pressé, pressé. Bon, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et un par un, on va aller se ranger. Donc, on commence par cette colonne. Vous attendez qu'elle soit à son marquage pour ensuite aller se ranger pour qu'on puisse ensemble accompagner cette jeune fille aux toilettes. Allez. Dans ton coude. Dans ton coude. Dans ton coude. Et allez vous laver les mains un par un, hein, pas de les trois en même temps. Vous attendez que chaque élève soit passé. Secondes, hein, là tu t'es pas bien lavé les mains. Lave-toi les mains correctement. Et le papier, tu le mets dans la poubelle. C'est bon, tu peux y aller. Tu prends ton stylo, t'avais qu'à avoir ton matériel.
peux fermer le rideau, maîtresse. Non, tu ne peux pas fermer les rideaux. Tu ne touches pas au rideau. Va te laver les mains aussi, Gaspard. Terminé, Zalia. Tu peux prendre ton livre pour le lire. Mais j'ai tout lu. Ah bah, si t'as tout lu, tu ne peux pas aller chercher d'autres livres, donc relis-les. Et je te conseille de les relire. Maîtresse, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? T'as pas compris? Alors, donc tu vois là, sur ton cahier, il va falloir que, en dessous du numérateur, tu écrives le dénominateur et tu vois pas, mais je ne peux pas m'approcher. Je ne peux pas m'approcher de toi. Comment te dire? Là, tu vois? Non, toujours pas. Bon, bah ça va être compliqué. Tous dans ton coude. Plus petit que trois quarts. Voilà. Alors, je vais me laver les mains puisque je viens de tousser dans mon coude. Oui, j'ai dit qu'on ne coloriait jamais au stylo. Mais là, on n'a pas le choix. Donc, tu peux colorier au stylo. Je vais me laver les mains, j'arrive. Va te laver les mains. Donc, voilà. Ensuite... vous allez pouvoir arrêter, je vais devoir ouvrir les fenêtres pour aérer. Vous croisez les bras en attendant. Et puis moi je vous appelle un par un pour aller vous ranger. Attention, vous le mettez bien sur le marquage, hein, surtout. Je vais ouvrir la porte pour ne pas vous la toucher. Un tiers avec par exemple trois tiers. Comment on fait pour comparer? On garde le numérateur et le dénominateur. Le dénominateur... c'est 3 dans les deux cas. Maîtresse, donc on peut comparer, je comprends pas. En comparant simplement les deux numéros. Maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes? Maîtresse, est-ce que tu peux venir voir? Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Maîtresse. Je comprends rien. But now we're caught.